dark side, I wanna be your left hand man. Il est 8h45, puis juste avant de réveiller, puis 8h. Je me suis mis du shampoing sec dans les cheveux. Puis mon traitement sérieux accélère. Puis on est dimanche. La dernière fois, je les ai fait travailler jeudi. C'est la première fois que je mets du shampoing sec. Puis j'ai mis mon One Piece Rose Maternité. Je vais montrer le coyeur. Et noir. J'ai pris le noir puis le l'autre. Fait que c'est ça. Il est comme des lousses de là à là. Puis il y a des boutons pour allaiter. Qui est vraiment confortable. Fait que là, j'aime bien mon café. On vous présente notre nouvel animal de compagnie. Ils ont pas faim. Yeah. Ils sont. Ils sont cachés. Je veux les filmer. On a trois petits poissons. Vous n'avez même pas montré. Voici l'aquarium Anthony. Tu veux présenter ce que t'as mis, Anthony? Non. Mais il y a des vraies plantes. Elle est fausse. Puis. Elle est fausse. Puis là, c'est quoi t'as acheté comme poisson, Anthony? Des néons tétras. Des néons tétras. Ah, vous les voyez! Voilà, on a trois petits poissons qui est mis hier. Mais on avait commencé notre aquarium. Ben, tiens. Arrêtez, les gars. Avant ce soir. Fait que eux sont supposés être très résistants. Wow! Maverick, les poissons vont pas venir manger si t'es tout énervé. Fait que voilà. Oh, maman. En tout cas, fait que tu peux en mettre combien, Anthony, t'as dit? Là-dedans? Ça dépend la taille. Ben, des petits comme ça. On a 19. 9 petits poissons. C'est... Voilà. Il a acheté toutes les kits sur Kijiji. Toutes là, les pierres. Sur mon quête place. On a 3 petits poissons. De la bière mandat. On a décidé de faire ça ce matin. Les crêpes farcies au fromage à la crème et aux framboises. Au lieu de faire juste des crêpes. Parce que c'est vraiment bon. Puis ça fait comme spécial. Et on a tout de toute façon. C'est des framboises surgelées par exemple. Mais ça vient du livre de Cassandra Loignon. Fait que voilà. On va faire ça. Anthony a fait le mélange à crêpes. Fait que je l'ai mis ici. Puis moi je vais mélanger la mixture. J'ai couché Amanda, fait que je me suis maquillée petite. J'avais-tu montré que j'avais mis une petite pince comme ça, moi mes cheveux sont pas complètement dans mon visage. Puis, non, ça je t'ai habillée, tantôt je vais parler, je pense. La belle collection, je trouve ça vraiment beau. C'est la pro, mais c'est quand même 6$ chaque. Bon, je vais vous montrer la petite épicerie qu'on a fait. Qui va nous dépanner pour toute la semaine. Au moins, on a été au Maxi. On a été porter le frère Anthony à Montréal. Fait que, hey, c'était 1,50 le popcorn au ketchup. Il est super bon en plus. Fait que, on a tout ça. Des avocats. On avait pu. Truc comme ça, là. Bœuf. T'as pris deux fois poulet? Deux fois poulet, ouais. Ah, ok. J'ai un bœuf. Ok, on a pris des petites nouilles. Des patates, trois pains. Parce qu'on passe vite le pain. Oui, un instant. Maman veut juste montrer ça. Il était 2$ chaque. Là, fait que... Deux petites pizzas. Ouais, c'est ça. Normalement, on prend les pains plus. Comme... Fait que trois trucs de lait. Ça passe vite, là. Le lait. Ça va être notre semaine. Un de lait, c'est 2 jours. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Des bananes, des œufs. Pour la mère Anthony. C'est pas acheté en panique. C'est pas acheté. Non, non, c'est rien d'acheter en panique. C'est pour notre semaine. Là, on n'aura rien à racheter de la semaine. Et pour Amanda, j'ai racheté ça. Elle a pas aimé ça. Des grenotines de yogourt. Et j'ai pris ça. Il y a quand même des vitamines là-dedans. Là. Puis ça pour, mettons, mettre du humus. C'est ça. Puis Anthony a pété notre cœur en bas. Fait qu'on a acheté une autre. Cette marque-là. Fait que voilà, c'est tout. On est venu se promener un peu, il est 5h. Ils voulaient vraiment faire du vélo, puis je leur ai vraiment. Ben oui, je leur ai promis. Mais là, ils vont avoir frais tout le monde parce qu'ils voulaient pas mettre leur mitaine.
Pour vrai, il fait chaud, mais à quel point? Fait que même les sabots de neige, je sais pas mieux, je vais me promener genre 15 minutes. Là. Mais il fait chaud, il fait pas le soleil, c'est juste que. Ah, regarde! Pas sûr. Là. Ouais, on va aller sur la petite montagne. Ma vraie qui a le même vélo que Jayden, mais on l'a pas sorti encore. Jayden, il a décidé qu'il poussait ma brique. Le vélo de Jayden. Ils veulent faire la course! Ils vont courir! Oui, oui, je suis là! On y va! On s'en va arriver à la maison! Je vais montrer le souper, mais c'était un plat dominicain. Je vous montrerai les restants. Puis on avait été chez Salerno. C'est super bon. Ces beignes-là, c'est les meilleurs. Bon, tout le monde, il est rendu 10h. Mes cheveux sont bien belles. Puis là, je suis en train de me demander si je les lave. Ah là là. J'ai comme vécu une couple d'émotions depuis tantôt. Et j'ai pas le choix de faire ma pause. Coronavirus encore. Fait que si ça te tente pas d'entendre parler de ça, quitte tout de suite, je te comprends tout à fait. Puis passe une belle journée. Et voilà, moi dans le fond, comme j'en parlais hier, hygiène dentaire, c'est un métier très à risque. Puis dans le fond, le virus, il reste en suspens dans le fond pendant 3 heures, je pense, avec les aérosols, quelque chose comme ça. Fait que c'est vraiment pas une place à aller chez le dentiste, à moins que ça soit urgent. Donc, lors des hygiénistes dentaires et des dentistes se sont statués sur le fait que ce seront juste les services d'urgence qui auront lieu et urgence dans le sens douleur immédiate à arranger dans un court délai. Les hygiénistes ne travailleront pas. Tous les services du genre de nettoyage et tout ça, c'est comme suspendu. Ce qui est, je suis totalement d'accord. Fait que là, moi, j'étais comme heureuse, mais je suis heureuse pour ça dans le sens que c'est vraiment un nid de bactéries là, aller chez le dentiste là, et... fait que c'est ça. Puis je dis pas dans le sens qu'on désinfecte pas puis tout ça, c'est pas ça du tout là. C'est comme mettons, on a beau nettoyer, désinfecter tout, mais les particules qui sont dans l'air, ils vont quand même retomber par la suite. Puis tu sais, si la personne l'avait, puis elle l'a pas dit là qu'elle était en contact avec quelqu'un qui était en voyage, même si mettons il y avait pas des symptômes avant. En tout cas, bref, là, vous comprenez ce que je veux dire. Puis là, je suis sur le groupe des hygiénistes sur Facebook. Puis il y en a plein qui sont dans mon cas, mettons, qui recommencent à travailler bientôt. Et supposément, parce que dans le fond, c'est du chômage que t'as dans ces cas-là. Et supposément qu'un congé de maternité est considéré comme un congé de maladie. Donc, t'as pas droit au chômage. Je comprends pas que le congé de maternité soit considéré comme un congé de maladie. Il y en a qui disaient, peut-être, tu sais, on est dimanche, fait, tu peux pas appeler quelqu'un pour avoir l'information, là. Mais supposément que peut-être qu'ils vont prendre des mesures, tu sais, dans le sens que c'est une situation exceptionnelle, là. Tu sais, je peux pas travailler parce que le gouvernement a dit qu'on peut plus travailler, tu sais, fait que c'est pas pareil. C'est choquant, là, si j'aurais pas le droit au chômage, on s'entend, ça fait comme... Ça va faire 7 ans, là, en juin, que je suis pas le même employeur. Fait que ça serait très, 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 très choquant qu'à cause d'un congé de maternité, j'ai pas le droit au chômage à partir de quand je suis censée retourner travailler. Puis en plus, petite parenthèse, en ce moment, je suis à mes frais. Okay? Fait que, genre, si, mettons, je serais au travail... Ben, je serais rémunérée, vous comprenez? Là, j'ai comme je suis à mes frais carrément. Fait que ça me fâcherait vraiment que le 6 avril, je puisse pas avoir de chômage si ce n'est pas rétabli. Mais, tu sais, selon moi, avec comment la situation avance, tu sais, ça sera pas rétabli. Est-ce qu'on va vraiment suivre juste les 14 jours? Qu'est-ce qu'on.
comment ça va être, t'sais. Moi, dans ma tête, dans 2 semaines, tu sais, le coronavirus, il sera pas parti, là. Fait en tout cas, tant mieux si j'ai tort, puis que ça se propage pas et tout ça, ça serait génial, là. D'où le but de la quarantaine, là, pour justement, pas que ça se propage, là, et tout ça. Avec la semaine de relâche et tout ça qu'il y a eu, mais beaucoup de monde qui a été en voyage. C'est juste que, genre, moi je pense, c'est en tout cas, je sais pas, moi, dans mon courriel que j'ai reçu, là, c'est pour une durée indéterminée. Donc, c'est pas nécessairement juste le 14 jours. Là. Fait que c'est ça. C'est comme un stress que j'avais pas, que là j'ai. Dans le sens, moi je me suis même pas posé de questions. Je suis comme, tu sais, si on travaillera pas, on va être dédommagé, tu sais, comme tout le monde, tu sais, ils disent qu'ils vont être dédommagés, mais tu sais, dans le fond, c'est le chômage, puis le chômage, ben c'est ça, quand t'es en congé de maternité, ben après, t'as pas le droit au chômage, parce que comme si t'avais pas fait ton nombre d'heures, je sais pas quoi, je sais pas comment ça marche, peut-être je me trompe, mais c'est ce que j'ai lu. J'espère bien que je me trompe, si je recommence à travailler, puis que je peux pas recommencer à travailler. Fait que c'est ça, en tout cas, je me suis dit, ben, une chance qu'Anthony est infirmier, hein. Une chance. Lui, il manquera pas de job. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Plus de temps à la maison, possiblement, je sais pas. Puis si oui, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les choses ne se passeront pas bien. C'est ça. On a déplacé la date du smash the cake de Amanda qui était le 4 avril. Fait que c'était vraiment bientôt. On l'a mis le 25 avril. Fait qu'on va voir d'ici là comment la situation évolue. Puis mon papa est en Thaïlande. Fait que, il va au jour le jour. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout ça. Lui, il part de la Thaïlande. Je pense pour lui, c'est vendredi, mais qu'il arrive dimanche ici. Puis dans le fond, il fait un arrêt au 14, je pense. Il me semble que c'est le 14, son arrêt. Puis, tu sais, lui, tout est correct encore, mais tu sais, il va arriver ici, puis il va être en quarantaine, dans le fond, là. Fait que, c'est ça. Il va pas pouvoir venir à la fête à Jaden. C'est ça. Fait que, voilà. Sur ce, ça conclut le vlog de façon un petit peu négative. Mais espérons que tout ça se vire de façon positive, puis que. Qu'on aille vers le positif. En tout cas, c'est ça. Ah, pas demain. Ouais, en fait, en plus, c'est ça, on a appris que, dans le fond, la garderie des enfants, ils peuvent recevoir ceux qui sont des enfants des professionnels de la santé, là. Fait qu'Anthony, ben, on aurait droit d'envoyer les enfants, mais on va pas le faire parce que, tu sais, je suis à la maison. Fait qu'on va pas les exposer. Tu sais, ils seront pas juste avec ceux de la garderie. Vont être avec, mettons, d'autres galeries, d'autres enfants de professionnels à la santé. Fait que, tu sais, comme on peut éviter ce déplacement, comme je suis à la maison, éviter d'autres contacts, ben, ils vont rester avec moi à la maison. Puis d'ailleurs, la mère Anthony aussi est restée, donc, je vais avoir de l'aide de la mère Anthony cette semaine. Fait que c'est le fun, parce que, comme j'ai dit, Anthony va travailler 6 jours cette semaine. Puis il va peut-être accepter s'il demande du temps supplémentaire aussi. Fait que. Et il y a beaucoup d'heures. Son seul congé, c'est vendredi. Fait que. C'est ça. C'est ça. Bye tout le monde.